Bonjour à tous. Je reviens de la manifestation anti-pass de Rennes, où j'y étais avec mon tracteur. J'y ai eu un accueil formidable. De tout temps, les paysans ont été de grands résistants. La première réforme voulue par Macron était la libéralisation de l'accès aux fonciers au profit des fonds d'investissement américains. Nous y avons mis fin. Aujourd'hui, nos valeurs, que sont la liberté, la fraternité et l'égalité, sont mises en danger. Nous devons nous mobiliser. Donc j'invite tous les agriculteurs et les autres corps de métier, le 4 septembre à 14h, à se mobiliser avec leurs engins dans les villes du territoire. Donc rendez-vous le 4 septembre à 14h, nous devons tous y être. Ils ont empêché que le cher soit là. Oui. C'est juste ça, hein. Oui. Ça se passait très très bien. Ils voulaient l'emmerder. Exactement. Bien sûr. On le connaît. Christophe, de toute façon il est pacifiste, il assume. Donc c'est pour ça que je me permets de dire son prénom. Christophe, un agriculteur qui est présent depuis le début des Gilets jaunes et encore aujourd'hui il est là. Ouais, il veut y aller, hein. J'en étais sûr, dit. J'en étais sûr. À lui il a pas peur, hein. Mais les gens veulent pas. Mais lui il y aurait été. Mais lui il y aurait été, hein. Mais c'est sûr. Ah, aujourd'hui, il a pris l'initiative de prendre son tracteur pour faire un char. Et il est là contre cette vaccination obligatoire, et j'insiste sur le mot obligatoire, et aussi contre ce pass sanitaire. Thank you.
droite, on passe, juste comme ça, on n'en veut pas. C'est ça. Il y a du monde, hein. Ah, j'aurais peut-être une belle vue, ouais. Tiens-moi ça. Merci. Eh, hey, voyez. Eh, hey, vous êtes en direct de Rennes, les amis, la capitale bretonne. Regardez-moi ça, le monde qui arrive.